Salut la famille, je vous avais dit que je connaissais déjà le vainqueur de Secret Story. J'ai eu l'information, j'ai eu la source le matin, samedi matin, et j'ai posté une vidéo dans laquelle cela a été expliqué. Le lien de la vidéo se trouve en commentaire pour ceux qui doutent que tout cela était déjà apprêté, était déjà prêt, était déjà à la limite fabriqué. Je retiens mes mots, je ne peux pas dire comme ça, peut-être que les votes étaient à clos, on avait vu l'avance. Bon, dans cette vidéo, on va un peu essayer de parler de la finale, de la dernière soirée de Secret Story. Avant de commencer, je vous présente ce t-shirt Lansing d'Arafat. Ça fait 5 ans qu'il nous a quittés. Ce t-shirt est disponible en composant le numéro que vous voyez apparaître sur votre écran. Vous pouvez l'avoir, on peut vous le livrer. Et il nous a quittés, on ne l'oublie pas. Voilà. Bon. Pour revenir à Secret Story, saison 1 qui a bouclé, qui a fermé la porte aujourd'hui. On va tout dire, il n'y a pas vraiment eu de grandes surprises dans cette finale. Le vainqueur annoncé a gagné. Le deuxième était deuxième, le troisième était troisième, le quatrième, cinquième. Bon, il n'y a vraiment pas eu de grandes surprises. La meilleure stratège a été donnée à Kachi. La meilleure mission a été donnée à Awa. Bon, là, quand même, je ne suis pas trop d'accord. Il y a des missions qui étaient encore mieux. Il y a Ange qui a fait, il y a Akram qui s'est battu avec sa mission. Il y avait de bonnes missions. Bon, moi particulièrement, je n'aurais pas donné cela à Ange. Je n'aurais pas donné cela à Awa. Ouais, à part ce petit bémol que je pouvais avoir sur cela. Les votes ont été faits. Awa a gagné. D'après les sondages, c'est ce qui était annoncé. Les gens auront beau dire que c'est la maison de production. Les gens ont dit que c'est le pays de production, mais elle était favorite. Elle était parmi les favorites parce que jusqu'à présent, je vais dire que c'est Kachi. Moi, je voyais Kachi gagner cette émission. Je voyais Kachi gagner cette saison. Emmanuel s'est battu. Il était troisième. Bon, je pense que c'est le poste qui, logiquement, était prévu pour lui. Même comme au continent, on avait espoir qui remporte cette cagnotte, qui devient le premier Africain à remporter Secret Story. Bon, moi, il a été le premier finaliste. Le continent va se contenter de cela. Bon, à vous de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale, ce que vous avez pensé de l'aventure en elle-même. Moi, j'ai vu beaucoup de quoi. Mais je pense que c'était une saison quand même réussie. Les Africains, que je peux dire, n'étaient pas encore en premier du jeu, ont répété plus ce qu'on a eu à voir. Peut-être à Secret Story France. Je pense que la deuxième édition sera mieux. Et c'est une nouvelle émission, c'est une nouvelle réalité qui est arrivée en Afrique. On va prendre avec le temps, on va s'améliorer. Bref. Pour le vainqueur Awa, bon, on va accepter, hein. elle a gagné, elle a joué, elle a tout fait, on ne va pas trop se plaindre, franchement, je ne sais pas quelle stratégie elle a employée pour aller gagner, mais elle fait partie, dès que tu es en finale, dès que tu es candidat, tu peux partir potentiel gagnant. Je suis juste désolé pour Kachi et Emmanuel. Particulièrement Kachi, que moi je voyais plus gagner. Elle a prouvé des secrets, elle était plus joueuse, elle était tout. Moi je la voyais particulièrement. Et sur le même plateau, on peut féliciter Tonton Emma qui a fini l'émission, qui a fini la télé-réalité avec son secret. C'est déjà une bonne chose. La télé-réalité a son secret, qu'il a dévoilé. Tout le monde était surpris. Les candidats sont passés à côté. Au cours de la saison, au cours des 2 mois. Mais ça se termine bien. Félicitations au vainqueur et
On attend la prochaine édition. Bref, c'était le petit débrief de cette finale, de cette première édition de Secret Story saison 1. Avant de vous quitter, je vais toujours vous exhorter à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos, à vous abonner massivement. Et aussi, je vais rappeler cette vidéo sponsorisée par la marque Pharaon et le t-shirt que vous voyez pour les 5 ans d'Arafat est disponible. Vous composez le mot qui s'affiche sur l'écran et vous passez vos commandes, quel que soit le nombre, quelle que soit la quantité, vous serez livré. Et aussi, pour les amateurs de jeux, je vous exhorte à télécharger l'application Xbet et un code promo quota 237 qui vous donne accès à d'énormes bonus, pratiquement jusqu'à 500 bonus lors de votre première recharge, et vous permet de gagner de nombreux cadeaux. À bientôt pour une prochaine vidéo, et on aura le temps de revenir sur cette finale. Ciao, ciao.